Je vais essayer de voir si le débat public a un effet sur le développement durable. Choisissant ces deux titres, ces titres-là, je ne prenais pas beaucoup de risques, en tous les cas j'espère, puisqu'au fond le débat public, personne ne sait exactement ce que c'est, et le développement durable, c'est encore pire. Donc, après tout, je rapproche deux trucs qui, on y met ce qu'on veut. Deux auberges espagnoles. Mais la question plus précise que je me pose, c'est est-ce que la mise en critique des projets, puisque pour moi, débat public égale mise en critique des projets, est une manière pour faire aller ces projets, dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme, vers le développement durable. Je m'appuie bien entendu sur l'ensemble des... Enfin, bien entendu, compte tenu des fonctions que j'ai exercées, sur l'ensemble des débats publics de la Commission nationale. Ça fait quand même, entre les débats publics proprement dits, les concertations, ceci, cela, etc., ça fait grosso modo une centaine de choses. Donc, je suis un peu dans l'état d'esprit de ce qu'on a entendu tout à l'heure du BAP, une espèce de vision un peu globale des choses. La différence avec vous, c'est que ma méthodologie est tout à fait poétique. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que je trouve que ça serait formidable, puisque vous aimez les comparaisons, moi aussi, que vous utilisiez le matériau Commission nationale du débat public pour lui appliquer à peu près votre méthodologie quantitative, empirique, etc. Je trouve que ça serait vraiment excellent et en plus ce matériau est facilement accessible. Je ne rappellerai pas ce qu'est le débat public, je crois que l'audience qui est ici connaît très bien ça. Si je devais juste faire un rappel, souvenez-vous d'une des diapositives tout à l'heure dans l'exposé de ce qu'est le BAP qui s'appelait « Les règles de l'art ». Pas du tout la diapositive avant, qui montrait l'insertion des enquêtes et des audiences du BAP dans le processus de décision environnementale au Québec, mais la suivante, qui exposait les règles de l'art. Eh bien ça, c'est 90% pareil. Donc considérez que ce que j'appelle débat public, c'est quelque chose qui obéit à ces règles de l'art. Peu importe à quoi il sert, on ne sait pas. Mais en tous les cas, d'expérience, on essaye de faire en sorte que ce soit ça. Enfin, dernier petit point d'introduction pour moi aussi aller vers des conceptualisations. Quelle raison, au-delà de celle que j'ai dite, de mettre en relation débat public et développement durable? Il me semble qu'il y en a eu, et dans tous les cas, c'est celle que j'ai vécue dans tous les débats publics que j'ai conduits. C'est la raison profonde qui m'a fait adhérer à ce dispositif et qui me fait y croire, pour parler simplement. C'est qu'on a dans les deux cas une position de départ, de mise en tension de deux concepts qui sont en quelque sorte opposés. Dans le débat public, il y a un projet et il y a en général une audience qui est opposée au projet, et une discussion, un dialogue, une dialectique se met en place, et dans le développement durable, je n'ai pas besoin d'épiloguer. Ce qui fait que moi, marqué par souvenir de jeunesse, une lecture et une étude de l'hyper-empirisme dialectique de Gurvitch, je suis très marqué par ça. Et je crois profondément que, contrairement aux logiques déductives qui animent les milieux de la décision ou de la préparation des projets, d'ailleurs, la mise en dialectique de ces projets dans un empirisme total, avec une phase de polarisation et une phase de dépassement, et très vraisemblablement une manière de donner de la portée à ces dispositifs. Voilà mes présupposés.
Trois diapos. La première, les pressions du public, dont j'estime qu'elles pourraient aller vers développement durable. Je vous dirai après les obstacles qui se dressent à ces pressions du public. Et j'essaierai enfin de revenir sur le dispositif pour voir en quoi la modification du dispositif pourrait peut-être mieux permettre d'en faire une illustration de cet hyper-empirisme dialectique. Rapidement, les pressions du public, parce que ça rejoint beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Oui, rejet ou acceptation est, à mes yeux, quand je regarde la centaine de choses qu'a produite la Commission nationale du débat public, le secteur de l'équipement, la nature de l'équipement est vraiment le facteur explicatif premier. En ce moment, et j'ai été étonné de voir qu'il n'y en avait pas au BAP, les projets ferroviaires sont aimés. Vraiment, il y a une adhésion formidable aux projets ferroviaires. Il y a 50 ans, c'était exactement l'inverse. Tout le monde votait pour enlever les rails de tramway dans les rues. On a un changement radical à 180 degrés des préférences, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Au contraire, les lignes électriques, alors là, zéro. On n'aime plus. C'est aussi une différence phénoménale. Quelqu'un qui s'appelle Saint-Jour avait écrit dans les années 60 un bouquin sur la modernité, le truc formidable. Je me souviens très bien de ces pages où il disait « Je suis dans une magnifique voiture décapotable, il fait beau, etc. Je vois les blés ondulés, etc. » Et une magnifique ligne électrique traverse tout ça et me montre combien nous allons vers la modernité, le progrès, etc. en apportant l'électricité à tous ces campagnards. Cette image, cette représentation de la ligne électrique, modernité et même courage de ces gens qui viennent en hélicoptère poser des pylônes, etc., a complètement disparu. Et on ne voit que la ligne électrique, onde électromagnétique qui fait tourner le lait des vaches, qui risque de donner des leucémies aux enfants, etc., etc., etc. Je n'épilogue pas, je pourrais continuer longtemps là-dessus, mais justement, il faut que je fasse attention au temps. Deuxième chose, plus complexe, plus difficile à détecter, de l'hybridation. Moi, je suis vraiment frappé. Tous les débats que j'ai faits, que j'ai regardés d'une manière un petit peu approfondie, même sans les avoir faits, il y a une tendance du public à mélanger des choses. Le neuf et l'existant, alors ça, c'est vraiment une donnée fondamentale. La Réunion, pour vous donner une image, l'île de la Réunion, on démarre par un projet de la région qui est un tram-train avec un énorme tunnel de 20 km et un projet de l'État qui est une autoroute tout aussi énorme projet consistant à faire une digue dans la mer. Sur 20 km, là aussi, pour faire passer la route en dehors de l'influence des éboulements de cette falaise qui est de la lave refroidie, qui est pleine de trous, d'hétérogénéité, etc., etc. Ça, c'est les positions de départ. Bien entendu, il y a un contexte politique, il y a un contexte d'acteurs, de stratégie d'acteurs, tout ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait exact. Si je regarde le point d'arrivée aujourd'hui, qui n'est pas l'effet direct, unique du débat public. Bien entendu, vous avez tous raison, le débat public en lui-même, c'est epsilon par rapport à tout ça, mais le débat public a eu lieu en 2006 ou 2005, je crois. Aujourd'hui, le projet, c'est on va faire un mix de morceaux de route nouvelles, de creusements de tunnels, et au milieu de cette autoroute nouvelle, on va faire deux voies de transport collectif. Voilà ce que j'appelle hybridation. Alors, dans le transport, ça se produit beaucoup, cette hybridation. Bon, j'ai
J'ai tout dit, inutile que je donne d'autres exemples, mais il y en a. Troisième tendance, préférence du public, on aime mieux la répartition des équipements que leur concentration. Le projet pharaonique, ça c'est quelque chose qui dans tous les débats publics revient, ça s'exprime avec l'image du Titanic. Vous croyez faire le truc incoulable. Eh bien, vous vous trompez, messieurs les ingénieurs. Un jour ou l'autre, il sera coulé. Donc, il vaut mieux ne pas mettre ses œufs dans le même panier et répartir ça. Un débat récent est venu illustrer cette affaire-là. C'est la modernisation, la reconstruction d'une usine de filtration des eaux usées à Achères, la ville de Paris, plus exactement l'Île-de-France, donc 10 millions d'habitants, vit sur grosso modo deux stations d'épuration, une à Achères à l'aval de Paris et une à Valenton à l'amont de Paris. Celle de Valenton, si vous prenez le TGV, juste avant que le TGV prenne la voie classique, ou réciproquement qu'il la quitte. Cette station de Valenton, d'ailleurs, juste pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais enfin, rejette les eaux filtrées dans la Seine, et deux des stations des captages de l'eau potable de la ville de Paris prennent à un kilomètre à l'aval de ces rejets et l'autre à 1,5 km ou 2 km. Ce sont les usines dites d'Orly et d'Ivry, pardon, j'ai toujours un mal à regarder ces choses-là. Alors, cette parenthèse et cette digression étant fermées, dans la rénovation d'Achères, on voit très clairement les gens dire, mais le problème principal de ces stations, c'est bien entendu les odeurs, avec tous les effets en cascade que ça peut avoir, la dépréciation des valeurs foncières, etc., etc., etc. Et les gens font vraiment une pression très forte en disant « Mais pourquoi vous voulez reconstruire à l'identique un truc aussi pharaonique, massif, etc. Déplacer tout ça. Voilà. Élargissement du périmètre. Quatrième tendance, pression du public, assez générale. Est-ce que c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure reproblématisation ? Oui, vraisemblablement. Élargissement du périmètre, vraiment dans l'affaire des déchets nucléaires, c'était assez clair et assez évident. Mais prenons Flamanville, création d'un EPR, et finalement le public se rend compte que contre l'EPR il n'arrivera pas à lutter, il y aura l'EPR. Et là finalement on discute de comment lever le secret défense dans ces affaires-là, car la question c'était si un avion vient s'écraser contre la centrale, qu'est-ce qui se passe ? Et là, les responsables ont répondu « secret militaire ». Vous voyez comment on voulait. Alors bien entendu, le public n'a pas réussi à faire l'effet du Boeing sur l'EPR, mais il commence à grignoter quand même au fur et à mesure